Coucou les loulous et bienvenue sur la chaîne. Alors, cette semaine, on va changer un petit peu. À partir de maintenant, une semaine sur deux, on vous fera découvrir non pas une ville, mais un logement. Parce que oui, on se déplace de ville en ville et à chaque fois, on loue des appartements ou des maisons. Je sais que c'est pas évident quand on arrive et qu'on cherche une maison sur Airbnb parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations quelquefois. On ne sait pas dans quel quartier est la maison, est-ce que c'est accessible par rapport au centre-ville, par rapport aux activités qu'il y a à faire autour. Donc nous, on a testé pour vous. Alors on vous le partage en vidéo. D'habitude, on a tendance à louer des maisons avec deux chambres et un jardin. Malheureusement, à Ashville, ça a été très compliqué pour nous de trouver un logement. Je vous explique pourquoi. À Ashville, ce n'est plus possible maintenant d'acheter un appartement pour le louer sur Airbnb. Seules les locations qui avaient été mises en place il y a plus de 2 ans ont le droit de continuer. Ils ont fait ça parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui louaient leur logement sur Airbnb et plus assez de personnes qui acceptaient de louer aux locaux, aux habitants sur le long terme. Du coup, ça devient de plus en plus compliqué dans certaines villes comme Ashville de trouver des logements Airbnb. On n'a pas trouvé de maison pour cette fois-ci, on a trouvé un appartement, mais honnêtement, c'était tout comme une maison. C'était dans une résidence hyper calme au nord-est de Ashville, donc en dehors de la ville, mais après c'est pas gênant parce que Ashville c'est une petite ville, c'est très facile d'aller au centre-ville et surtout c'était très pratique parce qu'on était situé juste à côté de la Blue Ridge Parkway qui est la route panoramique qui dessert, on va dire, les plus grands points d'intérêt de la région. L'appartement est au premier étage avec un immense balcon vu sur la rivière. Allez, venez dedans, on vous fait visiter. On avait une grande cuisine, ouverte sur le salon salle à manger. Viens, ma chère, on va voir la chambre. Nous, le salon. On va voir ta chambre. Ta chambre de vie. Deux chambres et surtout deux salles de bain. Ça, je crois que c'est le lit pour Mia. Ouais, c'est la salle de bain. Ça, c'est la chambre de papa et maman. Papa et maman. Ça, c'est un immense placard. Ah oui, quand même. C'est le studio de danse. Comment on pourra mettre nos valises. Parfait, on va être bien, non? On va être bien. Et alors la question, est-ce qu'il y a un lave-vaisselle? Oui. Oh, tu t'avances, mais oui, il y a un lave-vaisselle. Machine à laver, talon. Bon bah c'est parti pour Ashville. Mia, tu es contente? Elle te plaît la nouvelle maison? Ça a l'air, hein?